Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le deuxième épisode de notre Let's Play sur Crash Bandicoot 4, It's About Time sur PS4. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, on avait commencé l'aventure, on avait fait les niveaux du réveil et Peak Insanity, donc dans la dimension de l'île Insanity de nos jours. On avait récupéré 9 gemmes sur 12, on avait pas mal exploré, on n'avait pas fait trop de fails pour l'instant. On a surtout découvert le plan de Néocortex et de sa bande, surtout mené par Entropy qui a l'air d'être le cerveau de la bande. Et on a fait la connaissance de l'Ani Loli, un masque du Quantum, qui est apparemment venu d'une dimension alternative. Et si c'est ça, bah on est un peu dans la mer noire, il faut qu'on voyage entre les dimensions, voir ce qui se passe. Donc on va aller explorer la première des dimensions, la deuxième des dimensions qu'on a débloquée, sachant que l'Ani Insanity c'est la première. Je sens qu'on va quand même pas mal rigoler. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez aller les moments épiques et les failles avec les hashtags atosiel, hashtag épique PIC et hashtag failles et failles, plus seulement exact, puis le voir ajouter à la compile sans plus tarder. Changeons de dimension, nous arrivons dans les terres sauvages de 2084. Donc il y a 4 niveaux avant d'avoir un boss. On commence par quelle corvée? C'est parti. Alors, donc terre sauvage 2084, l'ancien niveau, termine le niveau pour débrouiller les contrôles à montre, gagne 6 gemmes pour déverrouiller le skin. Let's rock'n'roll! Alors j'ai pas été refaire les autres niveaux pour déverrouiller tout ça, je pense qu'une fois que j'aurai fini les sessions d'enregistrement, que j'aurai un peu plus de temps devant moi, je ferai ça, et s'il y a les gemmes cachées, tout ça, je vous les montrerai au début. Si vous voyez qu'on commence dans un épisode dans un niveau, c'est que j'ai trouvé une gemme cachée, voilà, tout simplement. Alors, quelle corvée? Alors je crois que c'est la première fois que je vois les titres, les noms des niveaux traduits. C'est à l'époque, moi je me souviens des Crash 1, 2 et 3, sur PS1, sur PS1 et après réédité dans la Insane Trilogy. Les titres des niveaux n'étaient pas traduits. Ça, c'est la première fois. Bon, quand tu veux. Oula. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille? Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, vermine. Vous cherchez votre précieux masque? Ah, et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer en personne mon arme de percussion. Oh, joli jeu de mots. L'arme de percussion massive. Ok, ouais. Donc premier boss, ce sera Engine. 153 boîtes. Oh, d'accord, on peut changer... Ah, d'accord. Donc on peut faire popper et dépopper certains trucs. Je suis en train de me dire que ça nous sera très utile si on retourne sur le Peak Insanity par exemple. Attends. Voilà, on fait ça comme ça. On revient, on va aller récupérer l'autre boîte. Voilà. Là, on a une boîte. Alors je sais pas si le 100% inclut les contre-la-montre, j'espère pas, parce que je me souviens que dans le 3 j'étais très mauvais au contre-la-montre. J'ai peut-être dû en réussir un ou deux comme ça. Eh, hey, Engine, ta gueule. Tout mégaphone, j'étais sûr que j'aurais un trophée pour ça. Fais taire Engine. Ah, d'accord, on peut faire taire les autres en leur tapant sur la tronche. Ok. Est-ce qu'on peut... On peut activer le masque en sautant. Ok, c'est bon à savoir ça. D'accord. Donc on peut cumuler les masques. On peut avoir l'Ani Loli et Aku. Ok. Allez, je vais prendre cette plateforme. D'accord, attends. Je suis sûr qu'il y avait un truc derrière, non? Ok. On va passer tranquillement à base de tranquillade. Non, je vais d'abord récupérer ces trucs-là, activer le TNT. Eh, elle pète même dans l'autre phase. Hein, 19 boîtes. Bon, par contre, il va falloir beaucoup de Wumpa. Hein. Merde. Ta gueule. Je n'ai pas envie de vous écouter, cher monsieur. Merde. J'ai oublié d'appuyer sur carré pour essayer de voir si on pouvait le tataner. Ça, c'est une vie perdue bêtement. Hein. Hop. Hop. Parce que j'aimerais voir, c'est si tu lances le TNT, est-ce que ça fait péter les caisses qu'ils ont dans l'autre phase. Voilà. On va faire taire le monsieur. Parfait. On y va, on y va, on y va.
Oh, il y a de la nitro en plein milieu. Ok. Ouais, non. C'est comme dans les anciens. Ok, donc la caisse de nitro, on va la laisser bien tranquillement. Il y a probablement un interrupteur en fin de niveau. Ah, je vais tester mon truc, tiens. Ok, c'est là ce qui me semble. Donc du coup, les caisses de nitro, on sait qu'il faut les trouver à un interrupteur vert quelque part dans le niveau. Ok, finir le niveau sans mourir, là, ça va être compliqué. C'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Va falloir être prudent, éviter de faire n'importe quoi avec les caisses. Ta gueule. J'ai dit ta gueule. Vas-y, tu peux passer. Je t'en prie, t'es prioritaire. Hop, hop, hop. Donc là, on change de phase, on récupère ça. Donc les caisses nitro, on n'y touche pas. D'accord, on va faire comme ça. Hop, boum. Voilà. Comme ça, on repop bien tranquillement. Alors, attends, peut-être faire un truc. Comme ça, voilà. Oh, là, merde, merde. Il y avait une caisse là-bas. Bon, la gemme des 3 morts et la gemme des 3 vies, c'est foutu. On va essayer de récupérer le reste. Notamment les Wumpa. Enfin, Wumpa 50, elle est, on est même pas à un quart du truc, quoi. Enfin, un quart de la première gemme. Autant dire qu'il va falloir une bonne petite tonne de Wumpa. Va pas falloir chômer. Hop, hop. On change de phase. Hop, hop. Ah, sinon, Triant, il a cet effet-là aussi. Hop, hop. Hop, tac. Hop. Oh, mais il y a un truc en haut, regardez là. Ok, attends, je vais peut-être pouvoir faire un tac tac. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Voilà, on va laisser la caisse nitro en dehors de cette phase. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Attends, on peut pas faire des wall jump. Non, on peut pas faire de wall jump dans Crash, il me semble. Bon, on a progressé un peu, on a vu la suite du niveau. On est par contre toujours 153 caisses. Voilà quoi, on a du boulot. Hop. Ta gueule. Prends un coup, voilà, je sais que tu peux passer. Très bien. Très bien. Enfin, oui, je sais que les caisses nitro explosent en contact, monsieur, je te répète. Hop. Ah, c'est devenu un checkpoint ici. C'est le jeu qui a tellement pismo qu'il fait. Non, ce que tu fais, c'est nul. Évidemment. Bon bah. C'est. Ah! Bah oui, forcément, si les trucs sont pas dans la même phase, on va pas être potes, hein. Voilà. Bon. Hop. Allez, on va progresser un petit peu. Tranquille ou pas de fouette. Comme ça. Comme ça. Hop, comme ça. Oui, c'est bon, on a passé cette section. Eh, mais j'ai perdu mon masque là, non? Ah, parce qu'on a probablement pas besoin de. Ta gueule. Voilà. Boum. On fait tout ça et on va glisser sur le rail. Bien sûr, on va essayer de récupérer les boîtes en chemin, comme celle-ci, celle-là. Se suspendre, monter. Ah, d'accord. Ah ouais, ça va être stylé, ça. Tac, tac. Ce qui est bien, c'est que t'as les Wumpa pour indiquer où c'est. Hop, ah, merde, j'ai loupé une boîte. Bon, bah, du coup, la caisse... Hop là. Ok, donc ce truc-là, c'est fait. Alors... On a récupéré un truc. Ok, plaqué au sol. Ouais, ça c'est le truc là. Alors par contre, ça va être rigolo. Va falloir bien le timer comme ça. Ça fait une onde de choc en plus. Ok, là on est pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. Attends, déjà là. Voilà, je récupère ça, merci. Il en reste encore une. Encore un peu. Je t'approche encore un petit peu, mon cher Crash. Ok. Voilà.
2, 3. Et on allonge, et on balance la tête. Qu'est-ce que ça fait ça? Probablement un chemin. Rappelez caisse pour remplir les contours. Bah ouais, allez hop. 1, 2, 3. Et encore 3 boîtes sur le chemin. 1, 2, 3. On va allonger, hein. Hop, on descend parce qu'il y a une boîte. On remonte parce qu'il y a un obstacle. On passe de l'autre côté. C'est pas compliqué, on suit les chemins indiqués par les fruits. Oumpa, bien sûr. Non. Ah merde! Mauvais réflexe. Il faut que je recommence tout ça par contre, hein. Bon, m'en fous, je récupère toutes les boîtes. Bon, j'en ai déjà loupé, mais je vais quand même essayer d'en récupérer un maximum. Juste pour savoir où elles sont. Voilà. Ça va être marrant. Mais pète la boîte! Non, parce que bon, il y a un peu la boîte, il y a un peu la boîte de TNT, hein. Donc, voilà. Tac. Ok, là, quand même, il y a énormément de Wumpa dans ce niveau pour avoir... pour que la barre soit... Non, je pense que ça fait quand la barre est à fond. D'ailleurs. On descend. On remonte. On change. On descend. On remonte. On change. On descend. On a loupé une boîte, gauche, droite, on reste au milieu. On remonte, on descend, on remonte. Mais j'ai appuyé sur remonter, Ziva là! Ah, faut que je recommence à tout ça, quoi! Espèce 2. Ok. Je pensais que ça passerait pas, hein. M'en fous. Je récupère tout, rien à foutre! De toute façon, je sais qu'il faut que je repasse dans ce niveau pour avoir toutes les boîtes, mais on va essayer d'en avoir un maximum. Allez. Ils appellent ça des caisses, mais ouais, boîtes, caisses, on s'en fout. Ah, déjà combien là? 73, ouais, on a plus ou moins la moitié du niveau, quoi. Allez. En même temps, tu vois qu'on a affaire à un jeu qui est assez exigeant de la part du joueur. On est quand même dans le troisième niveau et... Hop, 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 on reste au milieu, on remonte, on descend, on remonte, voilà. Et on récupère le gros Wumpa, ah, ok, deuxième à 388, et nous avons un niveau bonus. C'est quoi cet ennemi? Il est en mode, ah, au secours, un Crash Bandicoot. Ah, tu reviens ici l'ennemi, on va se tomber, on va avoir besoin de toi. Ok, c'est de la TNT. Là, on va faire ça comme ça. Tac. On va les faire péter. Tac. Tac. Ok, donc on a 3 caisses de TNT à faire péter. Hop. On va servir de ça. Je vais faire un truc tout bête, je vais faire ça et je vais me remettre là pour les laisser péter. Ok, on va faire péter celle-là maintenant. Va falloir alterner à chaque fois qu'on veut taper la boîte, ça va être rigolo, hein. Ok, challenge accepted. Ok. On va vraiment faire à chaque fois un saut sur la boîte pour être sûr. Pour... En fait, non, c'est une mauvaise idée. Voilà. Hop. On va péter les boîtes qui sont là. 18. 19. Ok, c'est une caisse en bois. Voilà. Ok. Sans un Wumpa, 22 boîtes, on a tout récupéré. Est-ce qu'on arrive bientôt à la troisième gemme? On y est presque. On y est presque. Il nous reste encore une quarantaine de boîtes. On sait qu'on en a loupé 2 ou 3. Ferme-la. Ah d'accord. Attends. Je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant par ici. Oh, plein de boîtes. Vas-y, moi je passe par là, on m'a rien à taper. Ah, on a trouvé une nouvelle gemme, je peux revenir en arrière. Merde. Oui, je sais, je suis mort 10 fois, bla bla bla.
toute façon, il n'y avait rien par ici. Les caisses, elles étaient de ce côté. Ah, moi qui pensais qu'il y aurait... En fait, je pensais plutôt qu'il y aurait une gemme cachée ici, mais comme quoi... J'ai pas été plus malin avec les histoires. Alors, récupère tout ça. Enfin, lise ici. Vas-y, lise là. Voilà. C'est un bon gros caca des familles. Hop. Ok, on va récupérer tout ça. En fait, on a plusieurs chemins. Ta gueule! Tu te répètes, mon cher Engine. Ok, on va s'amuser ici. Voilà. Merde, pas ce que je voulais, tant pis. On arrive tout doucement vers la fin. J'ai pas vu la moindre trace de la gemme qui... Oh, il y a l'ami qui revient. Non? Ok. Je sens qu'il y a quelque chose. Ta gueule. On bat les couilles de toi, frère. Allez, passe quand tu veux. Hop. Je vais le laisser repasser. Je suis pas pressé. Hop. Là. Ah, d'accord, on va rigoler. Vas-y, repasse quand tu veux, frère. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, déjà une caisse. On en est à 140 quand même, c'est pas mal. Hop, 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 voilà. Hop, quelque chose là-bas. J'ai failli me faire péter la figure avec une... avec ça. Hein. Pas assez de distance, merde. Attends. 146. Voilà, c'est deux boîtes ici. Eh, hey, regardez-moi ça. Ah merde, attends, est-ce que je peux sauver le coup? Ah merde, bon, j'ai trouvé la gemme cachée. Donc celle-là, j'aurais pas à vous la remontrer. Ce niveau-là, je peux le refaire entièrement off. Très bien. J'ai loupé 5 boîtes plus la gemme cachée, mais je sais où c'est. Et bien sûr, le finir en 3 views. Ouais, ah, c'était une belle corvée, hein, je suis d'accord. Bon, 3 sur 6, c'est bien. Oh, je peux le refaire, non, je vais continuer. Je pense qu'on attend, on va essayer de se faire au moins un ou deux niveaux, enfin au moins deux niveaux par épisode si on peut. Même si ça veut dire faire du montage no jutsu. Mais bon. Et là, c'est, tu vois que ça monte quoi. T'as une petite progression des familles. Ok, donc Engine nous attend là-bas. Deuxième niveau, compacteur de crash. C'est parti. Termine le niveau pour dévoiler les contre-la-montre. On a un truc. Ok, tout le bordel. Et bah, let's rock'n'roll. Let's rock'n'roll, compacteur de crash. Je sens qu'on va se faire pas mal compacter la tronche. Je sais pas ce que. À la limite, ce qu'on peut essayer de faire pour la récupération des trucs qu'on a loupés, c'est de faire un espèce d'épisode spécial dès qu'on a battu un boss. Plutôt que de faire ça en off, ça, dès qu'on a battu un boss. On revient en arrière pour récupérer genre les gemmes cachées, essayer de faire les niveaux en 3 vies, etc, etc. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense qu'on peut faire comme ça. Alors 136 boîtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Cassette flashback trouvée. D'accord. Cassette flashback, qu'est-ce que ça fait? Hop, je récupère ça. Hop. Là, caisse. On va récupérer les 4 là. On a déjà une petite onzaine de boîtes. Voilà. 80. Ouais, je pense qu'il faut au moins 200 boîtes. J'aimerais vérifier si on peut aller sur les bagnoles là, mais j'ai pas envie de perdre une vie inutilement pour ça. Parce que bon, 3 vies maximum, c'est... honnêtement, c'est exigeant comme gameplay, hein. Mais c'est un challenge intéressant. On est pas trop mal par ici, donc faut qu'on se revienne sur place. Boum. Ça va faire bon en tout cas. Qu'est-ce qui se passe par là? Je vais attendre que tu repasses, voilà. Coucou. Par ici, est-ce qu'on peut rentrer dans l'espèce de garage qui est là?
Il y a quoi? Il y a des boîtes? Je pense qu'on a tout récupéré. C'est un peu bizarre, mais soit. Alors, toi, je pense qu'il faut pas t'approcher par devant, mais par derrière. Alors déjà, il y a des boîtes ici. Vérifier. Première chose, toujours vérifier, voilà, en faisant un petit coup, un petit rebond le plus haut possible. Voilà. On est là 34 sur 130, c'est pas 35 avec la TNT qui va péter. Ok. Hop, 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 hop. Parfait. Attends, j'allais dire, il y a un lance-flamme là. On y va tranquille. En plus, c'est pas le petit. C'est pas un lance-flamme. C'est le lance-flamme. J'ai envie d'aller voir par là. D'accord. Je crois qu'il n'y a rien par ici, hein, donc on va. Merde. Bon, on prend bien. Ah, en plus, t'es devant un checkpoint. Vas-y, là. Couché. Et on fait ça sans masque. Sans respecter les gestes barrières. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de vannes sur les gestes barrières pendant ce let's play. Hein. Juste parce que Crash m'a apporté un masque pour se protéger. Donc, forcément. Alors, on arrive à combien de boîtes ici? 26. Ah, il y avait deux boîtes, hein. Il y avait deux boîtes. Ah, deux caisses. C'est vrai que dans les premiers, ils appelaient ça des boîtes. Non, on est bon. Oh, pas mal. Je pensais qu'on arrivait ici. Hop, tac, tac. On arrive à 35 boîtes. Non, c'est, elle est pour moi, celle-là. Elle est pour moi, celle-là. Celle-là, elle est pour moi, désolé. Hop, hop. Bon, heureusement qu'on joue pas en mode rétro, parce que je pense qu'en mode rétro, on se serait déjà fait dégager du niveau précédent. Hein. Vu tout le caca qu'on a fait. Je dirais même c'était ce qu'on a fait dans le niveau précédent, c'était le caca d'excellence. Hein. Eh, c'est pas un mauvais titre d'épisode, ça, le caca d'excellence. Là, j'imagine toujours en fait les gens qui découvrent la chaîne et qui voient les titres à la con que je mets un peu partout. Qui se disent, mais pourquoi il a fait son épisode le caca d'excellence, lui? Alors déjà, le caca d'excellence, c'est une référence à une YouTube poupe. Si vous connaissez pas, cherchez sur YouTube un truc qui s'appelle Gilbert le BG. C'est juste une, c'est un reportage en fait sur les surdoués de l'informatique, des jeunes qui sont engagés, des gens qui sont engagés très jeunes, je crois par Microsoft ou un truc comme ça. Et ils suivent un mec qui s'appelle Gilbert et qui est vraiment un gros passionné d'infos, qui gère la fougère comme on dit. Pourquoi est-ce que je peux pas aller sur cette plateforme ici? Je trouve la gemme rouge cachée dans un autre. Ah! Ok, donc on pourra probablement pas avoir toutes les boîtes. Bon, en tout cas, je voudrais pas dire, mais le thème des rails là sur ce niveau. On a encore loupé les boîtes. Hein. Hop là. Ok. Alors, celle-là va être compliquée à aller chercher. Mais je tente ma chance et je réussis. Ok. Ouh, bonjour monsieur. Pourquoi t'es un eunuque? Bah ouais, un eunuque c'est sanglant. Ah, ça fait des coups. Attends, encore une fois. Oui. Bah ouais. Oh, il y a des choses là, regardez. D'ailleurs, il faudrait qu'on essaie de voir à un moment donné, on aura 69. On a loupé le 42, mais avec on voit quand on aura genre 69 caisses. Boîtes. Je suis en train de me dire que le 100% dans ce jeu, il va être funky. Hein. Wow. Évidemment, je peux pas faire en dessous, sinon c'est pas drôle. Ah oui, tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais, j'ai passé comme ça tranquillou. Ah, un niveau bonus. On va se dire qu'il y a un autre niveau bonus, mais on a besoin d'une gemme rouge ailleurs pour le récupérer. Ah, Lani va peut-être venir nous filer un coup de patte. Déjà, on va récupérer tout ça. Alors, il y a une partie de moi qui a envie de revenir en haut. Ah. Merde! J'étais trop près. Ok, ok, ok. J'ai vu l'interrupteur activé, donc je pense qu'on va pas s'embêter. On va passer à l'autre bout. Activer l'interrupteur, revenir en arrière et récupérer toutes les caisses. Ah, mais en tout cas, je le dis, ça fait franchement plaisir de voir du bon Crash à l'ancienne, quoi. Ah, le...
le bon jeu de plateforme des familles. Voilà. Donc là, je vais juste faire ça et revenir en arrière. Ok. Hop. 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 Aussi, qu'on se fasse des petites marches. Hop. 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 À la limite, on peut se laisser ces deux caisses-là, cette caisse-là comme marche. 17, 18, 19, 20. On est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il reste encore les 3 là. C'est vrai, j'ai le temps. 2, 3. Oh, je me souviens de ça dans les anciens. Ah bah c'est bon, la 24ème boîte était là. Et on a récupéré 98 Wumpa. Hey, deuxième gemme, pas mal. Et on est bientôt à la troisième. Je pense qu'on devrait l'avoir à 500 Wumpa. Si on m'avait dit qu'on pouvait récupérer 500 Wumpa dans le même niveau. Tranquillement. Hop là. Ah attends. On va faire ça. On va laisser la caisse péter. On va se mettre bien à distance. Ok, faut qu'on refasse comme dans le niveau bonus. Voilà. Ok, on devrait pas tarder à récupérer l'anime au moins activer un interrupteur. Ah, il y avait plein de boîtes là, attends. Bon, au pire. Je vais peut-être y aller et taper l'ennemi. Voilà. Il y a un checkpoint qui permet juste récupérer les caisses. Voilà. On arrive à 82 caisses sur 136. Il y a des choses là-bas. Ok, l'ami. Ah merde, je pensais qu'on pouvait rentrer. Bon, m'en fous, il y a un point de contrôle. Du coup, la caisse des 3 vies, c'est un peu foutu. Hop. Oh. Carrément pour des caisses. Boum. J'ai pas repéré la caisse cachée par contre. Enfin, la gemme cachée. Ouais, on est quasiment à ce qu'il faut pour... Hop là. J'aurais bien quelque chose de ce côté, non? Ah merde, bon, heureusement, il y avait du sol en dessous. On passe tranquillou. Hop, on va refaire ça. Ça, on revient ici pour les boîtes. On va faire popper. Hop. Hop. Et avec ça, on a la troisième gemme, parfait. On est à 90 boîtes. Hop, hop. Donc là, tac, 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 tac. Ok, on passe comme ça. Allez-y, y'a pas de soucis, les gars, vous êtes prioritaires. Il y a un truc là derrière, là. Peut-être prendre le checkpoint avant de faire n'importe quoi. Ah, y a moyen d'accéder à ce truc-là. Hein. Non, pas d'ici, je pense. Non, on est trop loin. Ok, donc faut qu'on passe, qu'on active le masque. Ok, il faut probablement un pouvoir qu'on n'a pas là. Je sais pas trop. Alors, on descend. On descend. J'ai pas envie de voir qu'il y a quelque chose là. On va passer comme ça. Hop. Tac. Merde! Mais il y a un truc. Il y a un truc si on va dans cette direction. Alani, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas compliqué, on va faire. Tac. 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 Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Je me demande s'il faut pas faire le double saut plus plus là. Genre ça. Merde! Allez, on va y arriver! Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais, si ça se trouve, il y a probablement des trucs qu'on débloque en terminant les dimensions. J'ai presque envie de dire qu'on va peut-être pas s'en préoccuper maintenant. Voilà. Ah, c'est la fin du level. On est à 115 avec les caisses de nitro. Bon, bah c'est très bien. On aura eu 3 gemmes, du coup. Fondateur du club audiovisuel. Quoi? Ah, pour la cassette flashback, je pense. Collecte une cassette flashback, d'accord. Bah, faudra voir à quoi ça ressemble, hein. Qu'est-ce que ça fait? Cassette flashback trouvée. On va continuer.
Est-ce qu'on nous explique à quoi servent les cassettes flashback, s'il vous plaît? Je suis curieux. J'aimerais bien le savoir. Hein? Est-ce que vous voulez bien me le dire, s'il vous plaît? Oh! Retourne dans les années 90. Joue les cassettes flashback ou découvrir l'entraînement de Crash et de Coco dans les salles de test de Néocortex. Bah, faudra qu'on teste ça la prochaine fois, les enfants. Attendez, est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Cassette flashback, d'accord. Ce que je vous propose de faire, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a fait deux niveaux, ça a été laborieux, dirons-nous. Mais on est arrivé au bout, c'est le principal. La prochaine fois, je vous propose qu'on teste les cassettes flashback et qu'on continue et qu'on essaie de finir la dimension des Terres Sauvages 2084. Et après ça, je vous propose un petit retour arrière dans les 6 niveaux précédents pour essayer de récupérer tout ce qu'on a loupé. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Crash Bandicoot 4 et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera toujours plaisir, mais pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir, les moments épiques et les faits, avec les hashtags associés, vous connaissez la musique. Mais pas non plus d'aller jeter un œil à la chaîne de VOD dont là se trouve plus bas dans la description. Et en attendant de continuer notre aventure dans cette dimension, je vous remercie encore mille fois de votre soutien, ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir.